les autorités américaines cherchaient pour les cimetières qu'ils devaient malheureusement mettre en place, que ces sites aient trois critères. Le premier critère, qu'ils ne soient pas très très éloignés du front. Malgré tout, il fallait qu'il y ait une certaine distance entre le front et le cimetière, de façon à ce que si par malheur il y avait un recul, le cimetière puisse continuer à exister. Ensuite, il fallait que ce soit un très très beau site, c'est le cas ici sur le plateau de Grand Failly, qu'il ne soit pas, entre autres, qu'il ne soit pas inondable. Et ensuite, le dernier critère, il ne fallait pas qu'il soit vu d'une route principale pour ne pas entamer le moral des troupes. D'accord. Donc, les autorités américaines sont venues et sur la carte d'état-major ont relevé ce site qui était donc sur un plateau, donc très très bien placé, et assez grand pour recevoir un certain nombre de corps. Ça a commencé donc dès le lendemain de la bataille de l'offensive de Von Rundstedt, c'est-à-dire le 16 décembre, pour se terminer à la fin janvier. Alors il est évident que les corps étaient malheureusement mis sur le bord de la route, puisque c'était une période de grand gel. Et malgré tout, les autorités américaines avaient déjà préparé, tout était en place pour mettre les tombes à équidistantes et ensuite qu'il y ait qu'il y ait de l'ordre. Donc ce site-là a été choisi. Il a été, en 1948, les corps ont été relevés de ce site et transportés à plusieurs endroits. Le premier, ça a été Luxembourg, où 1112 corps ont été transportés, exhumés et à nouveau enterrés à Luxembourg. Deuxième site, ça a été Saint-Avold, pour beaucoup moins, je crois que ça doit être de l'ordre de 37. Et ensuite, il y en a eu qui ont été rapatriés aux États-Unis. Alors aux États-Unis, les corps ont été disposés dans des cimetières qui étaient propres au village où ils étaient natifs, mais aussi dans les propriétés privées. Il y a une photo, nous avons en main une photo, d'un soldat qui a été enterré dans la propriété de ses parents. Et puis comme ça, en quelques années après, ça devait être en 48-50, les soldats américains ont été, les soldats allemands, pardon, ont été exhumés et enterrés à Andilly. Alors là, pour la totalité, les soldats russes ont été transportés à Pierrepont et les soldats français ont été répartis dans l'ensemble de la France, entre autres à Saint-Mandrier, je crois. La nature, les champs ont été rendus aux propriétaires et ont été rendus à la culture. Et c'est seulement en 1985 que pour le 40e anniversaire, M. Colin Léon ne voulait pas passer à côté de cet événement sans créer un lieu où on pourrait au moins se recueillir, au moins marquer l'existence de ce cimetière. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis à Longuyon, dans un lieu tout à fait en dehors de Grand Failly, et nous nous sommes réunis, on était une vingtaine de personnes. Et puis on a décidé qu'on allait faire quelque chose. On ne savait pas trop bien où. Nous n'avions aucune finance, nous n'avions rien du tout. Et on était parti sur une stèle, sur une petite stèle en granit qui serait venue des Vosges. Et puis de fil en aiguille, on s'est aperçu que les gens qui croyaient en cette réalisation-là ont transformé ce petit projet en quelque chose de plus grand.
un architecte de la région de Longwy a prêté son concours. Un ingénieur des ponts et chaussées a fait les plans de coffrage, les plans de ferraillage, les plans de l'ensemble. Et donc on est parti de cette petite stèle à ce monument qui est donc derrière nous et qui a la flamme qui a la forme d'une flamme. La flamme du souvenir. C'est cette spire qui monte et le tout se mêlant très bien à l'environnement. Cette idée a été donnée par une dame de Longuyon en disant pourquoi ne faites-vous pas une flamme en symbole. Et puis nous la partie, donc 1985, mais le temps pressait parce que nous avions d'une part une date limite, qu'il fallait que ça soit fait en 1985, qui correspondait au 40e anniversaire de l'armistice. Alors, M. Collin a fait un rappel dans ses troupes, ses amis. D'autres ont fourni du béton à prix coûtant. D'autres ont fourni des pointes, c'est tout bête, mais enfin, c'est des kilos de pointes qu'il fallait, des monceaux, des mètres cubes de voliges, de bois, de choses comme ça. Et puis, tout le monde s'est mis à l'œuvre et puis on a réussi à construire cela. C'est bien que c'était en octobre 85, on a réussi à inaugurer le monument. Il y avait du monde, il y avait l'ambassadeur des États-Unis, il y avait le préfet, il y avait beaucoup de monde. Ce fut très recueilli. Et puis ma foi, depuis cette date, périodiquement, deux fois par an, nous célébrons des cérémonies, nous organisons des cérémonies, principalement le 8 mai, qui correspond, comme chacun le sait, à la capitulation de l'Allemagne, et le dimanche précédent Noël. Alors pourquoi le dimanche précédent Noël? C'est l'anniversaire de la première inhumation des soldats, des 3000 soldats qui ont été enterrés, de 1967, très exactement. Alors deux fois par semaine. D'autre part, nous organisons aussi des rencontres à l'occasion de visites. Alors nous avons eu la chance d'avoir déjà le premier intendant du cimetière militaire américain qui du reste, comme nous le rappelait tout à l'heure M. Durieux, a été officier de la Légion d'honneur. Ensuite, nous avons eu un pilote qui est venu, qui a bien marqué son passage. C'est un homme très gentil. Et ce pilote, Bob Kelly, a été abattu à côté de Bazaille. Nous avons eu d'autres pilotes qui sont venus. Et nous avons eu des civils qui sont venus, du Michigan, qui sont venus apporter leur témoignage. Ils cherchaient le nom d'une personne qui avait été enterrée ici. Malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas encore les documents que nous avons maintenant. Monsieur Mathieu a très bien dit, oui. Si vous voulez, le travail acharné et permanent qui a été le nôtre depuis 1984, pas seulement pour ériger ce cérémonial, ce mémorial, mais également pour arriver à lui donner vie et à connaître, par conséquent, ceux qui y avaient reposé. Dès que nous avons été en possession de ce document très complet, c'était en 2011, donc il n'y a pas très longtemps, la commune de Grand-Failly a décidé de donner à cet espace le nom de l'un de ceux qui avaient reposé ici, et dans une procédure tout à fait solennelle, je dirais, avec infiniment de respect, c'est le nom de Don J. Ackman, un soldat de la 101e Airborne, son 1e Airborne qui s'est distingué non seulement en Normandie, mais également en Bastogne. C'est son nom qui est sorti et c'est par conséquent son nom qui a été donné à cet espace. Et quand nous avons donné ce nom à cet espace aménagé, une fois encore, je dirais grâce au
au dévouement, à l'engagement de la commune de Grand Failly, mais également à l'engagement d'un certain nombre de personnes et d'amis du mémorial, nous avons eu un peu le sentiment d'être arrivés, non pas au bout de notre tâche, mais enfin d'être arrivés au point auquel souhaitaient incontestablement arriver ceux qui avaient été les initiateurs de l'opération, Léon Collin et le docteur Cochard. Je vous assure que lorsque nous avons reçu ces personnes du Michigan, ça correspondait à la dernière visite de M. Léon Collin. Je me rappelle très bien, il pleuvait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait pleuvoir. Et c'est vrai que les gens étaient placés juste à l'endroit derrière votre caméra là, et regardaient la plaine et se disaient, une personne de notre territoire, de notre État, a reposé ici. Et je vous assure, ça nous a fort marqués tous. Nous habitions, mes parents et moi, nous habitions à Versailles. Mmh. Mon père était dans la gendarmerie et nous habitions à Versailles à l'époque. Mais nous avons entendu des parents qui nous ont expliqué que les corps arrivaient toujours par le même endroit, c'est-à-dire par Longuy-Bas, Longuy-Haut, Longuyon, et venaient jusqu'à ici. Mais ils passaient par Longuy, je ne sais pas trop pourquoi. Et ils arrivaient ici, ils étaient déchargés sur le bord de la route. Il y avait les fiches, il y avait des fiches qui avaient été établies. Alors tout ça, on connaît bien, parce que des témoins nous ont raconté, mais personnellement, non. Non plus à cette époque-là, j'étais dans le sud-ouest de la France, et par conséquent, je dirais la Lorraine n'était pas encore le pays cher à mon cœur qu'elle est devenue. Je dirais ce lieu qui est voué maintenant à la culture, je dirais, est en fait un lieu relativement symbolique. À la fois parce qu'il est, dans les années que nous vivons, à mi-chemin entre Bastogne, combat de 44-45, et les combats de 1914. Il ne faut pas oublier que l'armée française est montée en 1914 par cette route-là, en direction des forces allemandes, pour les rencontrer, dans les rues de combat de Virton, Haete et Rossignol. Ils sont passés là. De même façon, que sont passés là, en descendant les troupes allemandes, puisqu'on évoque même le passage à Grand Failly de celui qui fut, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un des spécialistes allemands des chars, et qui était Rommel. Rommel serait passé ici. Mais bien avant, il se trouve effectivement, que pendant les guerres révolutionnaires de 1792, Lafayette, qui n'était pas encore passé, du côté des émigrés et qui combattait avec les troupes de la Convention, avait le siège de son état-major tout près, à Flabeville, et que par conséquent, Grand Failly était directement, à portée de main. Cela doit nous donner la leçon simple que lorsque nous traversons nos campagnes, il faut bien nous persuader, de l'aventure humaine extraordinaire, qu'elles ont connue. Et que le silence de la nature, les moissons qui lèvent, les arbres qui grandissent, ne doivent pas nous faire oublier, ce qui a été au cœur de leur aventure, c'est l'homme. Vraiment, Mathieu aurait pu dire que lorsque nous avons ériger le mémorial, il n'y avait rien autour, comme aujourd'hui. Et nous avons vu monter un bois de pin, un bois de sapin, qui a été coupé. On s'en souvient. Et nous nous retrouvons pratiquement comme en 1984, si vous voulez, dans le même cadre, avec le sentiment quand même très réconfortant, mais rempli d'humilité également, d'avoir accompli une œuvre qui va droit, au cœur de l'homme et qui est celui de la mémoire de son histoire et de la reconnaissance à ceux qui ont écrit cette histoire au prix de leur vie. Cette cérémonie est toujours célébrée le matin. Ça se passe généralement en dehors
des horaires qui sont réservés aux communes. Les gens sont invités par la presse, informés par la presse, ou invités par un petit mot, une petite invitation manuscrite. Et puis, ben, ma foi, ça se passe ici. Le mémorial se trouve entre Petite-Civry, voilà, et Grand-Failly, sur le territoire de la commune de Grand-Failly. Et que lorsqu'on vient de Longuyon et qu'on a traversé Noers, on tourne vers Petite-Civry à la ferme de la République. Je crois que le nom est suffisamment fort et symbolique pour qu'on ne l'oublie pas. Il est évident que si nous n'étions pas entourés de bénévoles qui participent aux cérémonies, qui assurent le maintien, non pas de l'ordre, mais le placement des invités. S'il n'y avait pas des gens pour venir tondre le site comme il est fait très régulièrement, s'ils n'étaient pas là pour nettoyer, pour enlever les petites choses qui traîneraient, tout ça, ce site ne serait pas ce qu'il est maintenant. Et je profite que le micro nous soit confié pour les remercier très chaleureusement.